Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle et les messages de ce mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive pour ce 26 novembre, lien social. Chanter est un excellent lien social qui attire l'attention des autres, l'écoute et la sympathie. Il est même parfois communicatif, n'est-ce pas? Et si l'on fredonnait un air aujourd'hui, l'automne, eh bien, serait moins gris. Voilà, petite pensée de ce matin. Aujourd'hui, j'ai pigé plaisir. Je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens. J'y invite également tous les êtres de tous les mondes. La fleur de vie apporte maintenant, eh bien, la plénitude et l'énergie du plaisir dans ta vie. Le moindre moment de ta vie, eh bien, vaut la peine, n'est-ce pas, d'être savouré à l'aide de tous tes sens. Quel que soit l'objectif qui atteint tes sens, tu es à présent capable de t'en réjouir de tout cœur. Tu peux te délecter ainsi de cette sensation. Tous tes sens se sont mis au diapason du plaisir, et que ce soit au moment où tu écoutes une belle musique ou encore que tu dégustes un délicieux et succulent repas, ou encore tu perçois une fragrance agréable, ou encore tes yeux distinguent de magnifiques objets, ou encore tes doigts touchent des matériaux délicats, eh bien, rends-toi compte combien de petites choses de ta vie quotidienne valent la peine d'être considérées avec attention par toi, d'être savourées pleinement. Ta vie déborde, tout comme un nectar sucré qui s'échappe d'un verre rempli à ras-bord. La suavité de la vie, eh bien, elle se propage dans ta direction. Elle te fait ressentir le plaisir total du présent. Et puis bon, le plaisir de voir un enfant sourire, le plaisir d'un bonjour de ton voisin. Tout ça, c'est du plaisir, n'est-ce pas? Alors, pour certains d'entre vous, il y aura un défi. Cette carte vient maintenant, eh bien, à ton secours pour identifier la raison de ta mise à l'écart répétée du fleuve du plaisir. Pourquoi t'es-tu mis à l'écart du fleuve du plaisir? Qu'est-ce qui se fait que ça soit comme ça dans ta vie, que tu as pris l'écart de ce plaisir que tu pourrais avoir? C'est qui ou quoi, voilà, on va le dire comme ça, qui ou quoi dans ton fort intérieur te fait croire que tu ne mérites pas de savourer ta vie ainsi que tous les cadeaux qu'elle t'apporte, librement et sans souci? Pourquoi? Qui? Quoi? Pourquoi tu te dis, tu te punis, peut-être? Tu te punis de ne pas te laisser avoir du plaisir? Peut-être que tu as un manque de confiance en toi. Pourquoi tu ne savoures pas la vie? Qu'est-ce qui fait que tu ne la savoures pas?
qu'est-ce qui fait que tu ne te donnes pas du plaisir à faire les choses, à prendre les choses, à voir les choses? Es-tu bloqué? As-tu des blocages par ton vécu, de ton passé? Peut-être c'est ce manque de confiance en toi vient des blocages que tu as certainement. Eh bien, cette fleur de vie, plaisir, elle vient te dire que tu dois te débarrasser de tes blocages. Observe ensuite, lorsque tu vas observer, qu'est-ce qui va se passer? Règle à nouveau tous tes sens au diapason de la plénitude, de la joie et du plaisir. Laisse-toi enfin surprendre par la diversité de la vie. Pourquoi ces blocages? Observe-les. Et tout ça vient de tes expériences, de ce que tu as vécu, de ton vécu. As-tu vécu des choses qui te bloquent, des plaisirs de la vie? Tu es peut-être dans une souffrance intérieure et tu ne te permets pas, évidemment, en étant dans cette souffrance intérieure, tu ne te permets pas d'avoir des plaisirs. Donc là, il faut vraiment que tu fasses un grand travail sur toi. Revenir à toi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour débloquer? Pour débloquer les blocages qui sont en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Waouh, quelle belle guidance, n'est-ce pas? Cet oracle est vraiment magnifique pour ce travail sur soi. C'est vraiment, voilà, c'est un bel oracle. Allez, je termine avec le message de ton âme. Se lancer, ben voilà, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Allez, débloque-moi tout ça et lance-toi. Permets-toi d'avoir des plaisirs. Quelle belle synchronicité. Le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, moi je vous embrasse tout fort, hein, et prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, mais surtout prenez soin de vous, et en douceur, vraiment dans la douceur, ne soyez pas trop dur avec vous, hein. Allez, à demain.